Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Indéprimés. Aujourd'hui, on se retrouve à jouer à la démo de Lock Digital, Lock ou Lock, L-O-K, je sais pas trop comment on dit, bref. Vous allez voir, c'est un petit jeu de société assez... Enfin, un petit jeu de société, un petit jeu de puzzle plutôt, assez chouette, vous allez voir, avec un principe qui est vraiment très très simple. Alors, un titre qu'on attend depuis pas mal de temps maintenant, qui était annoncé depuis un petit bout de temps, mais ça y est, il arrive bientôt. Alors, il y a la démo qui est disponible sur Steam, une démo publique. Vous allez voir, c'est vraiment très cool. Et puis évidemment, tout l'aspect un petit peu visuel, bah, qui est vraiment très très chouette aussi. Look at a fresh new kind of living, ok. Il y a même une petite histoire, ça je m'y attendais pas. Donc là, on est vraiment sur des tout petits puzzles. Ok, un click on the set to spell lock. Donc là, en gros, il faut que le mot il forme lock. Très bien. Bon, là, c'est assez simple, on est sur la partie un petit peu tuto. Là, le make you black and easy shield cell. Très bien, et donc. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Il faut que je fasse tout pareil. Ok. Oui, c'est très très minimaliste comme, comme jeu, pardon. Je pense que c'est un titre qui devrait sortir sur mobile. En tout cas, ça me paraît être une bonne plateforme. Pour le coup, voilà. Est-ce que ça devient un peu stratégique là ou pas? Ouais, ça doit être ok. Le mot lock en fait, il doit être mis dans un sur une ligne droite. En gros, c'est tout d'un bloc quoi. Donc là, je vous avoue que si je fais ça, je fais de la merde, je pense. Ah non, du coup, ça marche pas comme ça. Ok. Là, si je fais ça, c'est bon. Ok, oui, du coup, je vais... Ah oui, mais non, c'est ces lettres-là que j'aurais dû sacrifier. Je suis trop con. Bah oui, puisque là, ça marche pas. Non. J'ai fait nimp. J'ai fait nimp. On va retourner en arrière, c'est pas grave. Donc, en gros, il faut que je sacrifie ces lettres-là. Parce qu'en gros, il faut que ça soit que une ligne ou... En tout cas, il faut que ça soit sur la même ligne, quoi. Donc là, je vais faire ça. Ok. Donc là, pareil, je vais faire ça. Je sacrifie cette lettre-là. Et là, je fais ça. Nickel. Ok. Alors il me faut ça. Ok, ça devient un petit peu plus dur là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça devient un poil plus dur. Quelle lettre je vais sacrifier si je fais ça, ça. Ça, ça. Et je sacrifie. Ok, donc c'est ça. Je fais ça, je vais sacrifier ça. Ça, ça, ça. Hop. Nickel. Je trouve ça hyper cool. C'est trop trop cool comme jeu, je trouve. C'est... C'est un peu chill, mais pas trop. Enfin, il y a... Ouais, je sais pas. Je trouve ça assez chouette. Ah, ça marche comme ça aussi? Non. Bah non, du coup. Comment est-ce que ça pourrait marcher? Non. Concrètement, là, ça devient compliqué, hein. On va dire celle-là, mais je suis pas du tout sûr. Je pense que je fais n'importe quoi quand je fais ça. Bah non. L'agencement des cellules peut changer. Essayez de trouver comment. Ah, je peux changer l'agencement? Ok. Je dois essayer de trouver comment agencer les pièces. Si je fais ça, non? Je vais essayer de trouver comment agencer les pièces. Ah. Ah ok, je viens de comprendre. Je pense que je viens de comprendre. Je pense que je suis un génie. Ok. Ok, ok. Si je fais ça, par exemple, et que là, je mets là, ça... ici, ça devrait remplacer le K, du coup, par un K, non? Ah bah non. Pas du tout. Je pensais que j'avais trouvé la solution, en fait, je suis pas du tout un génie. Ah, ou alors, il faut peut-être que je mette dans les cases comme ça. Je vais recommencer pour voir. Et là, si je mets là. Ah non, non, ça me bloque ma cellule, du coup, c'est mort. C'est quoi ça, du coup?
Ok, ça c'est le puzzle précédent. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on peut passer au... Ok, on peut passer au puzzle suivant si on a envie. Très bien. Eh ben, je trouve pas du coup. Je trouve pas la solution. Je vais essayer de faire celui-là. Celui d'après. Mais je pense que j'ai besoin des astuces d'avant. Parce que là, pour le coup, ça va être compliqué sinon. Ah ouais. Je pense que c'est compliqué. Look. Ouais. Je vais voir le 7. Là, ça se corse déjà un petit peu. Je suis un peu déjà en PLS. On va prendre celui-là. Hein. Ok, ça c'est bon. Mais par contre, le reste, c'est pas bon. Ah ouais, non, c'est pas bon. Ah, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. On va faire le 8 parce qu'on est des fous. LOK, coloc, lock. Lock ou lock. Lock. Ce L-là, il peut littéralement faire 3 trucs. Bah, on va le faire là. Hein. Ah, si je fais ça, ça me fait aussi lock là, non? Ouah, c'est trop compliqué pour moi, je crois. C'est trop compliqué pour moi. Ah oui, si je fais un clic droit, du coup, ça me remet en arrière. Ok. Ça m'annule la dernière action, c'est plutôt pas mal ça. Bon. Concrètement, je vais pas y passer 10 ans, parce que sinon je vais y réfléchir longtemps. Mais déjà, c'est un petit peu corsé ici, j'arrive pas à comprendre celui-là, faudrait que j'y passe un petit peu plus de temps. En tout cas, voilà, je voulais vous faire une vidéo sur ce jeu-là, ça s'appelle Lock, LOK Digital. C'est très très cool, c'est un jeu puzzle game, voilà, un petit peu chill, mais pas trop non plus, parce que ça a l'air d'être assez retors finalement au bout d'un moment. Voilà, n'hésitez pas à jouer à la démo disponible sur Steam, démo publique encore une fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Indéprimés, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!